la caillou. A qui on vit qui plaît la bouille. Ministère de délivrance, bonjour, bonsoir, comment nous y est? Nous souhaitons, bon Dieu, capable de toujours accompagner nous et capable de toujours continuer à bénir nous. Nous saluer et remercier chaque ami qui toujours prend plaisir à partager le sens à d'autres personnes sur Facebook, etc. Nous souhaitons, bon Dieu, capable d'accompagner nous dans le travail ça que nous mettons ensemble avec moi pour nous capables de faire. Matin, nous parlons ensemble, l'Éternel me recueillera. Dans ce sens, ça m'a dit. Bienvenue à tous les nouveaux nouvelles abonnés. Nous souhaitons, bon Dieu, capable d'enrichir nous davantage à travers parole Lio. Dans leçon 1, je dis à nous parler ensemble, marcher comme des enfants de lumière. Avant de rentrer dans leçon et méditation, nous invitons à fermer les yeux pour la prière. Adorable Père des cieux, nous exaltons, nous louons au Seigneur. Parce que, côté nous t'es dans la poussière là, ou relever nous pour nous capables faire travail que toute petite ou Seigneur capable édifier à salut que parole soit capable transformer yo béni yo que yo capable venir un monde nouveau nouvelle nous prions concernant nom Jésus en faveur yo en faveur nous toutes amen nous prions ensemble l'Éternel me recueillera texte de base là trouvé dans psaume 27 le verset 10 qui dit car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Eh bien, yo dit non selon grande étude Académie nationale américaine des sciences de l'ingénierie et de la médecine, yo poté, yo dit que gagnent un tiers des personnes âgées de 45 ans et yon quart de personnes âgées de 65 ans qui sentent à vivre seul, soit dans la solitude. Yo pas senti yo bien. Yo pas senti yo à l'aise dans société que n'a vive là. Nous connaît moun pas capable vivre seul. Ça qui pral force sans tout besoin de tuer tout ou pral mener une vie anxieuse et gen possibilité pour sans tout déprimé. Donc dépression capable cause ou pas même senti ou t'es doit vivre encore. Eh bien, n'a d'accord que c'est la Bible. La Bible bail raison et bail réponse avec ça. La Bible dit pi ga nous vivre pour compte nous. Li pas bon pour l'homme n'arrêter pour contre lui. Nous devons chercher un compagnon. Nous devons chercher un ami. Un monde pour qui aider ou. L'aime dit aider ou. Et pas aider ou à vivre, non. Mais bay vie à sens pour ou. Bay vie à sens avec ou. Premièrement, bay vie à sens pour ou. Et deuxièmement, bay vie à sens avec ou. Quel que soit son ami ou ap limité dans quelques jouets. Quel que soit ce qu'on a besoin pour marier. Mais li important pour capable chercher un monde pour mettre bon côté ou. Parce que David, le était dans moment, il était senti pour contre lui, il était écrit texte ça pour te dire même si maman, papa abandonné ou, mais bon Dieu a recevoir ou. Donc il est important pour nous capable chercher la présence d'une personne tant que nous devons chercher la présence de Dieu dans votre vie. Ça pourra permettre que nous vivions une vie merveilleuse et pas oublier yon maman, pas jamais oublier petite li, pas oublier li important pour que nous fassions tout ça dépend de nous, pour nous chercher bon Dieu, parce que bon Dieu, pas jamais oublier nous, parce que c'est lui-même qui bat nos naissances. Nous sommes contents pour nous te présenter aux méditations. Hein? Le son moral là, c'est que, by moun qui bat la vie ou la sens là, attendez bien, oui, by moun qui bat la vie ou sens là, en pile importance. Quel que soit tes 11 amis, quel que soit tes bon Dieu, quel que soit qui est cité, hein? Mais by zami qui bat la vie ou sens là, en pile importance, que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans la leçon 9 qui est pour titre « Vivre avec sagesse ». Verset à mémoriser. « Prenez donc garde à marcher soigneusement, non pas comme étant dépourvu de sagesse, mais comme étant sage, saisissant l'occasion, parce que les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Éphésiens 5, le verset 15 à 17. Jeudi, c'est lundi. Nous parlons ensemble marcher comme des enfants de lumière. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est une grosse expression qui dit là. Marcher comme des enfants de lumière. Dans le plan de la rédemption, expression ça a provoqué une grosse jalousie. Il y a une grosse jalousie qui fait toute
petit bon Dieu qui souhaitait marcher pieusement avec lui, Satan tombait persécuté. Parce que, là nous prenons le thème lumière, nous joignons Dieu et la lumière. Et deuxième côté l'employé, nous pourrons joindre Jésus et la lumière. Troisième côté l'employé, nous pourrons joindre eh bien, les enfants d'Israël seraient la lumière pour tout le monde. Et de l'autre côté, nous pourrons joindre une lumière qui perdu efficacité. C'était bien Lucifer qui était astre brillant. Donc, monsieur perdu lumière. Maintenant, nous pourrons comprendre ce qu'arrive l'homme. L'homme t'est fait, mais il n'est pas brillé autant que Lucifer. Mais l'homme fin péché, selon le plan de la rédemption, Dieu demande à l'homme de marcher comme étant la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Donc marchez comme le Dieu qui est la lumière, comme Jésus lui-même, la lumière du monde. Donc, position ça, bon Dieu m'a de nous prendre, son position de jalousie qui provoquait ennemi nan yon vaste colère, tant qu'yon rat de marée qui a fait un tsunami pour qu'il vienne craser tout l'homme. Donc, li important pour nous comprendre expression ça, li en faveur nous certes, mais li mandé pour nous mener yon vie de piété, yon vie de prière et yon vie remplie de sanctification. Parce que la position que Dieu nous demande de prendre, c'est une position, mère bien-aimée dans le Seigneur, qui provoquait une jalousie, qui pral fait un pile moun a perdu, et c'est moun qui violent yo, cap capable de sauver pour le temps et pour l'éternité. Donc, dans ce sens, n'ap capable de comprendre, bon Dieu, nous, la loi morale comme un miroir, qui permet que chrétien pral capable well, et capable de prendre une position pour marcher avec bon Dieu. Parce que position ça, son position que bon Dieu ramène nous la donne à travers les 10 commandements que Satan a un problème avec lui, mais nous-mêmes le n'ap gadel, maintenant n'ap capable ouais côté nous sale, côté nous propre pour nous capable propter nous. Donc dans ce sens ça, c'est important pour nous comprendre et pour nous comprendre que bon Dieu m'a dit toute action que n'a posé yo, faut capable glorifier dans action ça yo. Soit donc que vous mangez, soit donc que vous biviez, eh bien nous devons faire toute bagaille ça yo pour la gloire de Dieu. Maintenant, il est important pour nous comprendre logique apôtre Paul là dans Éphésiens 5 le verset 6 quand il dit que personne ne vous séduise par des vaines paroles car à cause de ces choses la colère de Dieu vient sur les fils de la désobéissance. Mais dans la version du second, il dit sur les fils de la rébellion, donc sur Satan même. Donc piga nous tend des paroles Satan. Le plan de la vie de l'homme l'est résumé dans la pensée de l'homme, dans la parole de l'homme et dans les actions de l'homme. Donc dans ce sens ça, tout ça capable de faire perdu éclat en tant que lumière, c'est quand ou accepter tendre Lucifer et accepter consommer parole l'ia dans mémoire et admettre pour transmettre li par la parole et par des actions. Là, ou a péché. Et depuis ou péché, eh bien, ou pral tombe comme le fils de la perdition, de la rébellion, parce que, eh bien, ou fait volonté Satan. En algade, eh bien, Paul mettait, selon lui-même, comme débauche impure et cupide, tout le monde qui acceptait marcher dans la convoitise Satan. Tout le monde qui a fait péché, qui pas jamais mort. Et lui dit, moun sa yo, yo vraiment allé dans yon élan sexuel, yo gen cupidité qui a augmenté au jour le jour la caillou. Et dans sens ça apôtre Paul dit li inquiété pour moun qui fait qu'accepter Jésus yo parce que ou konn pran yon kay nan yon quartier côté c'est un seul moun an dan yon maison k'ap servi bon Dieu. Maman, papa, frère, sœur, tout abandonné, tout reste quartier a net by bon Dieu vague ou konn jwenn yon moun nan yon zone pour kont li, c'est lui même k'ap servi bon Dieu. On comprend ça. Donc dans ce sens ça, nous conjoignons des chrétiens qui isolés côté au pagain l'autre frère avec sœur qui avec yo. Maintenant, il est important pour nous prier pour moun sa yo. Bien heureusement parfois nous conjoignons des foyers tout entiers qui a servi bon Dieu. Mais comme ça tout, nous conjoignons yon moun dans toute yon zone. Moun nan dou, c'est seulement moi-même qui a servi bon Dieu pagain encore.
Donc imaginez toute conversation moun s'attendé dans oreille. Ou va imaginez tout langage moun yo gagné. Ou va imaginez tout comme si parole moun yo a dit dans toute zone là. Moun ça l'a nourri de toute parole ça yo. Et la pas douce non? La pas douce. Il pas douce du tout. Et mais apôtre Paul qu'on inquiété. Alors t'es inquiété. Maintenant je dis à nous-mêmes, nous devons inquiéter pour frère nous avec seul nous ça yo. Parfois qui compte trouver dans des zones, dans des maisons, c'est seulement yo même qui a servi bon Dieu. Maintenant, bon Dieu dit si toutefois nous restons dans conversation avec moun qui a mené toute vie de débauche ça yo, colère li a levé contre nous-mêmes et colère li déjà enflammé contre moun ça yo, c'est pas un jeu de colère. Colère ça c'est colère qui gagne rapport avec jugement bon Dieu. Côté li pral séparer li vrai avec blé, côté li pral séparer brebis avec bouc, côté li pral séparer moun k'ap sauvé avec moun k'ap perdu. Donc apôtre Paul dit s'il vous plaît, piga nous mettez nous avec moun k'ap fait ça qui mal. Piga nal kole boyo nous avec moun k'ap fait ça qui mal. Pour l'exhorter nous, piga nous prend part avec yo. Gen moun k'ap comprendre, les apôtre Paul dit piga nous prend part avec yo, piga nous gagnent de commun avec yo, ça veut dire piga n'ap travail même côté. Non, c'est pas ça apôtre Paul dit. Là li non niveau psychologique. Là li rentre non niveau spirituel. Donc gen deux exemples que m'pral ba ou là, faut qu'ou capable comprendre clair. Apôtre Paul pas dit piga n'al travail avec un païen. Puis gars nous dormi par exemple nous avec une fille qui marié avec un garçon, il accepte y a marché à bon Dieu puis garçon toujours été païen. Donc ou pas pral dit ou pas pral ou pral quitter monsieur ça. Non, c'est pas ça apôtre Paul dit. Apôtre Paul dit lè ou tendez moun sa yo kap di parole qui pas bon ou même faut qu'ou pas nourri ou de parole ça yo pour répéter yo. C'est ça que fait le texte le dit bien. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. C'est-à-dire piga ou comporter ou même gens avec moun qui fait ça qui mal là. Piga ou marcher même gens avec. Parce que la marche de l'homme se voit dans ses pensées, dans sa parole et dans ses actes. Donc la voix de Dieu se voit à partir de ses commandements. Puisque Dieu a écrit ses commandements dans notre cœur, maintenant il est bien important de vous faire savoir que tout autant nous honorer commandement ça dans nous, nous faisons travail de l'intérieur, nous pral briller de l'extérieur. C'est dans ce sens ça nous dit ou bien selon leçon hier là, nous pas doué marcher selon la chair. L'homme vit de l'intérieur, il brille de l'extérieur sans se rendre compte. Mais l'homme qui brille dans l'extérieur, eh bien il connaît éteindre lumière qui dans intérieur il y a. Maintenant comment parole là y? Mbral faut comprendre ça. Penser Satan sorti de l'extérieur. Donc ou pas doit apprendre la les pensées de Dieu sorti de l'intérieur ou capable brin yo. Ça que fait nous dire ou penser bon Dieu sorti de l'intérieur, c'est parce que d'abord bon Dieu écrit les 10 commandements de Dieu dans le cœur de l'homme. Donc bon Dieu déjà parlé avec l'homme dans son cœur. Donc la parole de Dieu eh bien lui sorti de l'homme de l'intérieur. C'est ça que fait l'homme pral briller. L'énergie se trouve dans le cœur de l'homme qui sait les commandements de Dieu. Maintenant, pour ennemi, li ba nous conseil sorti de l'extérieur. Donc dans ce sens ça li important pour comprendre l'autant de conseils ennemi li sorti de l'extérieur ou pas doué à le pratiquer, c'est-à-dire ou pas doué à le méditer sous lui, à le réfléchir sous lui pour le pratiquer, ça pral fait que ou pral rentrer dans chemin ennemi. Comment yo parler expliquer mot route là. Route là, li pa gon forme physique tant qu'ou ap marche la donne. Mais route là, li gon forme abstrait qui sait exactement nombre de temps ou prend pour penser, parler et agir. Ça c'est yon route que lié. Ça c'est yon route que lié. Maintenant, non niveau spirituel, le temps est le chemin de l'homme. Nous même nous wè route n'a pas gardé là yo route qui tracé président fait route pour nous c'est route ça nous wè non la voie pour Dieu c'est le temps mesure le comportement de l'être humain. Donc quand on prend du temps pour réfléchir sur un bagage qui pas bon ou déjà dans une mauvaise route, quand on prend du temps pour parler de un bagage qui pas bon ou dans une mauvaise route,
quand on prend du temps pour capable agir en façon qui pas bon ou dans une mauvaise route. Donc la voie de Dieu, c'est le temps. Maintenant le temps, c'est tout ça qui est accordé avec un moment de réflexion sur une bonne ou une mauvaise chose. Donc dans la dimension Paul a parlé là, il pas parlé dans une dimension qui a un rapport avec une simple action, mais il rentrait dans un ensemble d'actions côté où a produit des mauvaises pensées, cupidité, côté où a produit des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, des mauvaises actions, côté où disposé pour faire des choses mal, parce que il prend avec vous le fils de la rébellion, c'est-à-dire un être qui disposé fait mal toute existence li. Donc on a d'accord avec moi, pas gen moun ki konn route Satan. Est-ce que Satan gen route sou terre? Non. Mais quand on prend tout temps Satan prend pour le faire mal, ça c'est la voie de l'ennemi. Donc le temps, c'est la voie de l'ennemi. Donc tout autant on prend même temps avec pour faire ça qui mal ou sous route li. Tout autant on prend même temps avec pour faire ça qui pas bon ou sous route li. Maintenant, l'important pour nous comprendre. Maintenant, c'est quoi la voie de Dieu? La voie de Dieu, c'est la lumière qui resplendit dans votre cœur à travers ses paroles. Maintenant, l'on décide à partir de paroles ça yo pour faire ça qui est bon, pour parler ça qui est bon, pour agir dans ça qui est bon, maintenant dans sens ça ou dans la voie de Dieu. Donc on prend le temps. On prend le temps. C'est ça qui fait tout le temps perdu ou pas capable de rattraper. Depuis que tu as fini font bagaille qui pas bon, li pas bon, li pas bon net. L'histoire pas le rapporter comme une chose qui pas bon. Maintenant dans sens ça, l'important pour nous comprendre quand l'apôtre quand auteur a dit nous, quand la Bible dit nous pour nous marcher comme des enfants de la lumière, c'est-à-dire nous devons au jour le jour à résumer pensée nous, à résumer parole nous, à résumer action nous pour nous marcher selon votre temps, selon votre bonne occasion, en faisant ce qui est bien, en glorifiant Dieu. C'est ça qu'il faut pour aller au côté, l'offre glorifier bon Dieu à travers parole ou à travers pensée ou à travers action dans le temps, mais faudrait-il que votre corps soit capable de glorifier bon Dieu. Faut qu'on capable faire corps exalter bon Dieu. Donc dans dimension il y a pas de travail là, son dimension pour faut sentir que vie temps ou il doit dépendre de Dieu. Li pa doit dépendre de ennemi. Donc on doit prendre tout temps pour réfléchir à la parole de Dieu et penser avec une bonne action. C'est-à-dire on doit d'abord penser que vous déjà dans le ciel. On doit d'abord penser que vous déjà sauvé. On doit d'abord penser que vous c'est un monde qui pas même gens avec tout le monde. Donc vous c'est un monde qui est très important. Mais bien aimé dans le Seigneur, les sons en puissant, le son en fort, le son en grand. Son j'aime te dit non. En résumé, en conclusion, nous n'avons position côté ennemi a fait gros jalousie, mais heureusement, jalousie a pas de faire nous peur parce que c'est bon Dieu qui a sauvé nous, qui mettait lumière ça dans nous. Que lumière ça capable briller tout côté nous passer. N'en fait noir qu'on la journée, même l'ennemi a ta ouais nous pour ouais lumière ça éclairer sous nous. Pour nous voir réellement Dieu à vivre dans nous, pour voir que le pagain on partit dans nous-mêmes, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes contents pour nous présenter aux leçons, pour nous dire, faire sincère avec bon Dieu, c'est une lumière qui a éclairé tout côté passé. Dans le sens ça, pratiquer ce qui est bien, ce qui est juste. Dans le sens ça, que bon Dieu capable, bon force avec courage. Nous sommes contents pour nous présenter aux leçons. Nous invitons à partir Madja qui vient pour titre, réveille-toi. Toi qui dors, que le Seigneur encore vous accorde ses privilèges. M'a invité à faire mes yeux pour la prière. Céleste Père béni, merci. Parce qu'au fait nous comprendre, nous devons marcher dans une nouveauté de vie spéciale. À l'honneur et à la gloire de ton nom. Père, n'a pas de souple et nous force avec courage. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Sorti 11h, rivé minuit, avec ministère de délivrance, vient passer un moment de prière. Un moment côté où on recharge batterie spirituelle et un moment tout côté où on paye bon Dieu sous sérieux et comme ça on est toujours content dans le nom bon Dieu et puis délivrance par nous toutes yo assurer dans le nom Jésus.